Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Salut à tous. Et là, mamie, le bazar partout. Donc on est samedi, c'est le début d'un long week-end de 3 jours. Je suis ravie, je suis reposée et ça fait du bien. Il est déjà presque midi, Nico il est parti faire 2-3 courses rapidement. Ce matin, on n'a rien fait, on a glandé toute la matinée. Nico est resté devant la télé. Moi, je me suis recouchée, j'ai redormi. Parce que bah, j'ai pas beaucoup dormi cette semaine, donc il fallait que je rattrape un peu du sommeil. Ce qui tombe bien, comme ça, je dormirai pas pendant la sieste d'Ella, parce que j'avais dit que je ferais une sieste, mais du coup, non. Ma boubouille, elle est là. T'es dans ta petite voiture, oui. Là-bas, oui. Voilà, remets dehors la petite voiture. Hein. Eh oui. Et là, mamie, le bazar partout parce que pendant que je me préparais, elle jouait bah, soit dans la salle de bain, soit dans le couloir à côté avec tous ses jouets. Mais elle m'a sorti en fait. Elle m'a sorti tous les jouets qu'elle avait. Voilà, le tapis, oui. Tous les jouets qu'elle avait dans sa chambre, elle les a ramenés dans le couloir. Maintenant, il va falloir tout ranger, chaton. Oui, c'est un tapis, on a vu, hein, mon petit chat. Oui. Oh non. Allez, qu'est-ce que tu racontes un petit peu? Il te voit pas. Ah voilà, il t'a vu. Qu'est-ce que tu racontes? Raconte à maman. Viens. Ah, tu veux montrer ta voiture? Ouais. Ah, t'es fière, hein? C'est dur. Les chaussons, oui. Maman. Et pois. C'est des petits pois. Oui. D'accord. Et t'as perdu le klaxon aussi. Je sais pas ce que t'en as fait. Ouais, je sais pas où il est, chérie. Et où? Il est cassé, oui. Et où? Il tourne. Il tourne. C'est le volant, ça. Oui. Le volant de la voiture. On tourne le volant pour tourner. Qu'est-ce que tu... Roum, roum. Comment elle fait la voiture? Toi, tu me rentres dedans, accident. 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 Bon, allez. Je suis assise sur le petit fauteuil d'Ella. Là, avec cette lumière, on dirait que j'ai des racines de fou. Donc je crois qu'il est temps d'aller chez le coiffeur. Bon, ça se voit beaucoup moins ombré. Mais quand même, j'aimerais bien me faire rousse. Alors il se peut que cette semaine je pète un câble et que j'aille chez le coiffeur et que je me fasse rousse. J'ai déjà été rousse à un moment donné. Mais pas rousse genre orange carotte, rousse au burn, je sais pas. On va voir. Parce que là, vu que j'aurais pris des couleurs grâce à mon autobronzant et mon fond de teint, parce qu'en vrai je n'ai pris aucune couleur. Le fauteuil, oui. À maman. Le fauteuil à maman et le fauteuil à Ella, elle est où? Ella. Ah, boum. Ah, boum. Les tapis. Les tapis, oui. Allez, on va aller tout ranger maintenant? Oui. Allez. As-tu. On range la voiture? Les tapis. Le tapis. Oh non. Tu veux pas le ranger, le tapis? Non. Bon. On peut garder juste le tapis. On était au salon des blogueurs voyage à Saint-Malo. Il y a l'office de tourisme de Bruxelles qui nous avait donné des petits tatouages. Non, c'est pas Bruxelles. C'est Lille. Non, c'était Lille. Oui, Roubaix. Roubaix, c'est où? Dans le nord. C'est vers Lille, non? C'est ça. C'était le stand de là-haut. On a eu des tatouages. Alors maintenant, Ella va avoir un tatouage parce qu'elle veut faire comme maman, avoir des tatouages sur les bras. Non, mon bébé. Tatouage, viens. Tu en veux un? On va choisir alors. Tatouage. Vous voyez Nico derrière en train de faire à manger. Il est rentré. Alors. Il y a même deux planches de tatouage. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux lequel? Tu veux. Bleu. Bleu? Oui. Il n'y en a pas des bleus, chérie. Tu veux lequel là? Choisis. Tu veux quoi comme des petits dessins comme tatouage? Lequel là, tu veux? Viens là. Est-ce que tu veux le petit vélo? Tu veux le petit vélo? Là? On peut le petit vélo? Oui. Allez, viens.
On est en contre-jour, c'est pas grave. Bien. Alors d'abord on va découper le petit vélo. J'ai pas fait ça depuis 10 ans. Voilà. Tatouage. Oui, alors pour enlever la petite pellicule. Voilà. On fait où le tatouage? On le fait comme ça? Oui. Hop, on mouille. Oui, tu vas pouvoir montrer ton joli tatouage. Je suis capable de louper ça, tellement je suis manuel. Waouh! Waouh! Attends, faut sécher. Faut sécher. Tatouage! Yo, à toi! T'as un tatouage? Tu veux le montrer? Oui! C'est toi! Waouh! D'abord, montre à papa! Qu'est-ce qu'il y a? À toi! T'as fait un tatouage? Waouh! Fais voir! Waouh! C'est quoi? Yo! Un vélo? Oui! Comme il est beau! Oui! T'es comme maman! Maman! On a des tatouages, nous! Papa, il en a pas. Tu veux le cœur maintenant? On fait le petit cœur? Allez, on fait le cœur. Allez. Ouais, attends. On fait un tatouage. Nous, on fait des tatouages. Hein. On peut pas tout faire hein, quand même. Hein. Mais non. Mais non, on peut pas tout faire, nous. Si c'était aussi simple de faire des vrais tatouages, j'en aurais partout. Nico, il est pas content parce qu'il aime pas que ma fille aime les tatouages, je pense. Non. Non, papa, il veut pas que t'aies des tatouages, hein. Maman, elle se doute bien que t'en auras, vu que maman, elle en a. D'ailleurs, j'ai envie d'en faire un nouveau. Maman, oui, je pense. Maman, maman. Je pense en faire un après le mariage. Oh! Attends, on va sécher comme ça. Et montre ma petite tatouée. Et là, on va manger? Tu dis à table! À table! À table! Et ça y est, nous voilà partis pour Ajaccio. Et là, elle a dormi qu'une heure, du coup, ben, je sais qu'il est 3 heures. Et on part. Mais en pleine forme. Hein, t'es en forme? Oui papa, il fait extrêmement beau. Par contre il y a un espèce de petit vent froid parce qu'il a plu ces derniers jours. Donc ça s'est un peu rafraîchi mais moi je me suis mis en robe. Je me suis un peu chauffée, j'ai peur d'avoir froid. S'il n'y a pas de vent j'aurais pas froid, s'il y a du vent j'aurais froid. Bon il fait quand même 17 degrés à l'ombre. Sachant que nous on est en hauteur donc à Ajaccio il fera une vingtaine de degrés donc ça va aller. C'est juste ce petit vent un peu gelé là, bizarre. Mais il fait trop trop beau, ça fait plaisir quand même. De notre journée à Ajaccio, enfin notre après-midi, il est déjà 19h15. Il n'y a pas de gâteau, et là, on va rentrer à la maison. Ah non! Ah si! Il n'y en a pas, il y en a dans la voiture. C'est l'heure de manger, elle est réglée comme une horloge. Mais non! Donc, on a été chez le coiffeur pour Nico, il est tout beau. Il a une coupe d'américain un peu. On ne voit pas que le soleil. La lumière sur. La lumière sur. J'aime ça en tout cas. Et là, on lui a recoupé sa petite frange. Enfin, elle lui a réégalisé la frange parce que ça faisait 3 semaines et ça pousse tellement vite qu'il fallait la recouper un peu. On l'a emmené un peu au parc, on s'est promené, on a mangé un frozen yogurt. Nico, il a acheté son nœud papillon et la petite pochette là, pour le costume, pour le mariage. Et c'est trop joli, donc on est très contents. Puis voilà. On va rentrer à la maison tranquillement, donner à manger à la petite et la mettre au lit. Il fait super bon, dodo, voilà. Elle écoute tout ce que je raconte. Hein mon chat?
Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Tes joujoux, t'as été où? T'as mangé la glace. T'as la glace? Gros? Oui, et après t'as fait quoi? T'as été au parc? Au parc, on a été dans les magasins. Et après, pour finir, on a fait quoi? On a été couper les cheveux. Le monsieur, il a coupé ses cheveux aussi. La madame. Oui, et là, et papa. Mais maman. Allez, nous voilà de retour à la maison. Wakame. Wakame. Tu marches? Oui. Oui. Elle était fatiguée, elle a failli s'endormir dans la voiture. Du coup, Nico il m'a pris mon petit muguet. Un muguet pour moi, un muguet pour sa mère. Et monte ta coupe. Il est tout beau. Il est tout gominé. C'est bien ou pas? Ouais. Ils sont forts, c'est bien. C'était chez qui? Chez Jean-Claude Biguine. Jean-Claude Biguine, c'est sa coupe, bah là-bas il nous a emmené un fort. Et Nico il a fait une salade un peu spéciale, donc raconte-nous ce que je me souviens. Ouais, c'est bizarre. Hein. Du wakame, c'est ça? Ouais, alors il y a du riz, des tomates, des pousses de soja, des petites crevettes cuites comme ça, et du wakame que j'ai acheté à la Vie Claire. C'est une algue qui est censée avoir le goût presque d'une huître et qui est très très bonne pour la santé, m'a dit la femme. Super, on va goûter. Et j'ai fait une vinaigrette au sésame. Cool. Soja, sésame. Bon bah voilà, on a un petit repas sain. Et dire qu'il y en a failli manger à Burger King parce que Nico m'a tanné pour qu'on aille à Burger King et j'ai pas cédé, j'ai dit non. Hors de question, bonne résolution, on s'y tient. Bon, je vais vous laisser ici. Et là, est actuellement dans mon lit avec Nico parce qu'elle s'est encore réveillée ce soir, comme hier. Elle a les incisives qui sont en train de pousser, qui ont percé les deux en même temps. Donc, de toute façon, elle est là quand elle se réveille le soir. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est qu'elle nous sort des dents. Voilà. Donc là, elle s'est réveillée vers 21h30 et elle s'est pas rendormie. Elle voulait rester collée à moi sur le canapé, donc j'ai pas pu travailler ce soir. Et là, maintenant, elle est au lit avec Nico. Donc je pense que je vais aller la transvaser dans son lit parce que c'est difficile de dormir à 3. On a un lit en 140, donc on n'a pas trop de place. Donc voilà, heureusement qu'on a un week-end de 3 jours parce que du coup j'ai pas énormément avancé aujourd'hui et il faut que j'organise la Sardaigne parce qu'on part en Sardaigne le week-end prochain et que je ne sais même pas où on va. Et puis voilà, c'est tout. Là, mois de juin, ça va être intense en déplacement encore, donc je suis ravie parce que vous savez que moi voyager c'est ma passion. Et qu'en plus c'est pour des projets hyper méga cool. Voilà, il y a plein de choses qui s'organisent. Il y a mon enterrement de vie de jeune fille, je vous en ai parlé. On part dans 3 semaines. Mes copines ont organisé ça depuis des mois et des mois. On part je ne sais pas où. Je pense à l'étranger, mais je sais pas en fait. Je sais qu'on va prendre l'avion et tout, mais je sais pas où on part. Je sais pas avec qui. Je sais pas qui de mes copines sera là. Je sais qu'il y aura Coralie, ma meilleure amie, et Sabine, ça c'est sûr. Mais les autres, je ne sais pas qui vient, qui vient pas. C'est une méga surprise, mais elles ont été obligées de me dire la date parce que j'avais des trucs de prévu, parce que j'ai un déplacement à Paris le jour d'avant, donc ça a failli faire tout foirer, elles ont eu un peu peur et tout, donc elles étaient obligées de me dire bloque ces dates-là, parce que vu qu'il y a plein de trucs qui se programment en ce moment, ce week-end-là, t'es pas dispo, quoi. Donc voilà. Du coup, je sais qu'on part dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines même maintenant, et je ne sais pas où, ça va être trop cool. Après au mois de juin, pareil, des trucs de prévu, des déplacements et tout. Donc c'est cool, c'est bien, j'adore. Et ça va être bien pour vous, vous allez nous suivre dans nos aventures. Et voilà, c'est cool. Donc je vais me coucher, ça y est, je suis en boucle, là, j'arrête plus de parler. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et surtout à vous abonner. Vérifiez que vous êtes toujours bien abonné à ma chaîne parce qu'avec l'algorithme de YouTube, il y a des désabonnements qui sont tout le temps et c'est trop chiant. Même moi, des fois, je me rends compte, je suis désabonnée de certaines chaînes, je ne comprends pas. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour les notifications, comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Voilà, c'est cool.
Et ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas non plus, c'est le moment pub, hein, à rejoindre la chaîne de Nico parce que ça lui fait trop plaisir quand vous le rejoignez et qu'il fait de plus en plus de vlogs sur sa chaîne. Donc ça peut vous plaire aussi. Voilà. Et à nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos de toute façon. Et maintenant, je vous dis bonne nuit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !